On est parti pour l'épisode 2 de la quête ultime, les gars. Donc, dans le premier épisode, on devait créer une équipe autour de Messi et Griezmann. On avait un tout petit budget, donc là, j'avais à peu près 15 000 crédits. Et au début, sur Twitter, je vous ai dit que j'avais 6-7 000 crédits. Mais du coup, j'ai eu les récompenses clash d'équipe. C'était 10 000 crédits, puis quelques packs. Donc, ça m'a rapporté 15 000 crédits aux alentours. Donc, j'avais 20 000 crédits de budget. Donc, voilà, pas la peine de la présenter. Vous voyez très bien, les gars, Gonzalo Guedes, Kondogbia, Ndombele que j'avais eu dans les packs au tout début. J'avais oublié de le préciser. Alessandrini, Lala, Djiku, Kipembe, Ferland Mendy et Areola. Je sais pas comment on va faire, mais il nous faudra une deuxième équipe par rapport aux formes. Parce que ça va être très tendu au début du jeu d'avoir des formes équipes, parce que c'est très cher quand même. On va faire nos premiers pas en division rivale. Il y a les matchs de placement. Je sais très bien qu'on peut tomber sur des très 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 grosses équipes. Donc ma petite équipe risque de faire un peu tâche, parce que franchement, on va te rencontrer du lourd normalement. Les maillots sont très beaux d'ailleurs, ils m'ont donné ça au début du jeu. Franchement, ils sont très très beaux. Ouais, je veux dire que ça va, c'est quand même une grosse BPL, mais ça va encore l'équipe pour l'instant. À voir ce que ça va donner. J'avais dit une vidéo par semaine la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps, j'étais dans un sacré état. J'étais comme ça. Je vais appeler quand même Griezmann pour la donner à Messi. Enroulé. Oh, dommage. Allez, Messi. Oh, ce qu'il enlève le gardien. Pas souvent qu'on voit ça. Il fait les passes. Oui, mon gros. Oh putain, mais il enlève tout, Lloris. Oh, ce qu'il me fait. Oh là là, Lloris, il enlève tout. Ah, franchement, il m'a fait un tacle. Franchement, le tacle, il est abusé. Oh là là, Ndombele était partout, mon gars. Là, faut absolument marquer. Oui! Come on. Bien joué, Ndombele. Très très fort. En plus, il est un peu up normalement. 69 en tir, j'ai mis une grosse frappe. Qu'on dote bien. Oh là là, ce qu'il nous fait. Superbe. Je fasse gaffe parce qu'il y a le mec. Voilà, je lui laisse des trous. Ouf, j'ai chaud. Le seul espace que je lui laisse, il a failli me la mettre. On va se reconcentrer un petit peu. Putain, j'ai que des gauchers, ça me perturbe tout le temps. On tente avec Messi. Ça a pas changé de joueur comme il fallait. Areola, heureusement que t'es là, mon gars. Putain, ça a pas changé comme je voulais. Là, je domine, mais je vais me faire douiller, c'est obligé. Il n'y a que 1-0. Lloris, il a arrêté plein d'occases. Ouf, ce qu'il enlève encore, Lloris, c'est trop. Allez, Léo. Tu le finis, là. Voilà, mon gros, le 2-0. Alors, oui, il fait rentrer qui, lui? Wesh, Aubameyang et toute la bande. Va falloir faire très attention. Voilà, il y a déjà le contre. On a eu chaud. Aubameyang qui vient de rentrer. Elle récupère Grizzly. Allez, Grizzly. La frappe. Mon gros, c'est dedans. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Superbe. Superbe, superbe, superbe. J'ai fermé ma petite gueule et je vous ai laissé apprécier. Nickel. Faut qu'on en profite de ces joueurs-là parce qu'on va pas les garder longtemps. Voilà. Aubameyang. Une frappe, un but, hein. On commence à galérer sur cette fin de match là. C'est quoi ce sketch? Allez hop, terminé. Première victoire, 3-1. Histoire de bien commencer la série. Là ça sent la grosse team par contre, après une victoire. Oh le bâtard. Putain, ça rend fou. Là il va falloir être concentré au max. Merde. Gros, je suis en train de regarder le radar. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit du tout de faire ça. Voilà, heureusement qu'il y a Messi pour un élan de générosité. Ouh. Oh là là. Oh là 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 là. Il est trop chaud, Guedes, putain. En tout cas, Alessandrini, c'est très faible, hein, les gars. Si vous pouvez me trouver quelqu'un d'autre à mettre. Messi, allez. Oui, Messi. Le 2-1. J'ai de la chatte. Calma, calma, calma. Et genre, je peux pas défendre, c'est un truc de ouf. Putain, Areola. Voilà, Léo. Penalty. Oui, penalty. J'arrive jamais à les tirer, ces putains de pénaux. Faut que j'assure. Putain, en plus, j'aime pas tirer qu'un gaucher un penalty. Bien joué, Léo. Le 3-1. Ça va être dur de tenir le score. Franchement, je vous mens pas. Parce que le mec joue quand même bien.
C'est nimp. Qu'est-ce qu'il y a, penalty encore? Mais non, encore penalty. Oh là là. Là, je tire au milieu par contre là. Oui, le 4-1 mon gros. J'ai de la chance, franchement. Areola, Impérial. Victoire, 4-1, nickel. Et Messi qui repart avec le ballon pour ses 3 buts. Nickel, au début ça se passait mal. Mais là, impeccable, le triplé. Et Messi, 4 buts de passe D en 2 matchs. Et Griezmann, 1 but, une passe D. On le voit un peu moins, mais ça va. Allez, le dernier match de l'épisode. Je pense que je vais les faire en off les deux autres matchs. Puis qu'on ira direct en division rivale après. Wesh! C'est de pire en pire. Je crois que j'aurais pas dû faire 2 victoires d'affilée. Aïe aïe aïe. Ça va être dur les gars. Là on va pas se cacher que 2 victoires d'affilée, c'était sûr qu'on allait tomber sur un vrai gars. Là il va falloir être concentrax. Oh là là, première erreur de l'adversaire. Oh la barre. On aurait pu l'anéantir dès le début. Putain, c'est quoi ce début de match de folie? Oh là là. Ils font quoi mes potes? Wesh, c'est quoi ce gars? Wesh, 1-0, c'est quoi ce délire? Oui! Au calme. Wouah, le mec il avait une équipe de fou. Je me demandais pourquoi je dominais autant, c'était un délire. Comme quoi... Je sais pas si le mec était mauvais ou le jeu a fait une dinguerie contre lui, mais... C'est trop. 18 victoires. Putain, on est sur un 3 sur 3. Impeccable, les gars. Sauf que maintenant, il faut trouver un remplaçant à Léo Messi. 3 matchs joués, 4 buts, 2 passes D. Il fait kiffer, ce bâtard. Et là, il faut trouver un remplaçant à tout prix à Léo. Soit je mets Mbappé... Pas encore Ronaldo, les gars. Patientez, ni celui-là, ni CR7, ni Neymar. On verra plus tard. Faut que je trouve un... peut-être Ben Yedder. Ça peut être pas mal, Ben Yedder, pour finir les deux autres matchs. À voir. En tout cas, les gars, vous avez un budget de 12 200 crédits, voire plus si je fais les matchs de clash d'équipe. Ouais, mais je pense que je sortirai un épisode avant. Je pense qu'on va sortir l'épisode jeudi. En tout cas, ça fait plaisir. 3 victoires sur 3. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Stellar Soft, bis sur la fesse.